Ça commence. Depuis lundi, effectivement, j'ai beaucoup observé. On a pas mal travaillé, on a chargé les joueurs, c'est vrai. Et je commence à voir un petit peu le... Déjà, je connais tous les joueurs maintenant. Je connais tous les prénoms, donc c'est une grande avancée. Et aussi, je connais le potentiel des joueurs. Donc c'était une semaine pour moi très constructive. Je vois les potentialités des uns et des autres. Maintenant, l'essentiel, c'est de trouver un vrai collectif, parce que ça ne sert à rien d'avoir des individualités si on n'a pas un vrai collectif. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'on a beaucoup de travail tactique à faire, parce qu'il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'envie, mais parfois, c'est au détriment de la réflexion et de l'équilibre de l'équipe. Donc c'est à moi maintenant, avec ces éléments-là, à trouver le bon équilibre. Oui, je suis dans la réflexion. Je pense qu'il y aura une réponse à partir de la semaine prochaine pour voir quels sont les joueurs qui vont rester avec nous. Il y a des joueurs qui étaient à l'essai, il y a des joueurs qui sont déjà chez nous, mais je dois encore avoir le week-end de réflexion pour savoir qui va rentrer dans l'effectif de manière définitive. Il y a aussi un recrutement qui n'est pas tout à fait fini. Le problème, c'est qu'on se rapproche à vitesse grand V de la date du championnat. Je suis venu ici pour m'adapter aussi. Mais j'ai une idée assez claire maintenant des joueurs. Maintenant, je n'ai pas encore la composition idéale, s'il y a une composition idéale en tête. Mais en tous les cas, je me rends compte qu'il y a du potentiel et on va pouvoir faire de bonnes choses. Il faudra. De toute façon, on n'a pas le droit de dire qu'on ne sera pas prêt. Il faut être prêt. Il faut être redoublé d'efforts, s'il faut. Tout en ménageant aussi l'intégrité physique des joueurs, parce que si vous forcez trop, vous n'aurez pas de jus pour le début de saison. Donc je préfère à la limite forcer moins, mais être prêt pour le début de saison et ensuite continuer à travailler pendant que les matchs de compétition se dérouleront. Donc il va falloir un équilibre, un travail, une balance un petit peu dans savoir ce qu'on va faire. On verra avec le staff médical aussi ce qu'il y a lieu de faire. Parce que si on travaille vraiment trop maintenant, on risque d'être tout de suite grillé dès le premier match, et ce n'est pas le but. Ça va. On est dans la troisième semaine, il y a quand même déjà une intensité de travail qui a été intégrée par les joueurs. Il n'y a pas de blessés, donc ça veut dire que ça supporte la charge de travail. Donc maintenant, on va passer surtout la semaine prochaine sur une phase de match, de manière à trouver vraiment le rythme de la compétition.